excitant, Blippi. Hey, regardez ce que j'ai trouvé. Un mini camion poubelle. Oh, un vrai camion poubelle. Vous êtes prêts pour étudier les camions poubelles et le recyclage aujourd'hui? Ouais. Allons-y. Maintenant, étudions certaines parties du camion poubelle. Allons-y. Tout d'abord, la cabine. Oh, regardez qui c'est. C'est Tony. Salut Tony. Salut Blippi. Ça, c'est la cabine. C'est là où le conducteur du camion s'assoit et tourne le volant du camion. Wow. C'est tellement haut. Comment font-ils pour monter? Oh, je vais vous montrer. Venez. Là, ce sont des marches. C'est trop fun! J'adore les camions poubelles. Wow! Regardez juste là. Vous savez ce que c'est? C'est un extincteur. Juste au cas où il y aurait un feu à éteindre sur le camion poubelle. Les camions poubelles sont très sûrs. Vous allez vite comprendre. Je vais vous montrer. Voici d'autres éléments de sécurité du camion poubelle. Regardez. Vous savez ce que c'est, ça? Ce sont des chaînes. Juste au cas où la route est verglacée et glissante. On les enroule autour des pneus afin que le camion poubelle puisse rouler tout droit et ne parte pas en glissade. Oh, regardez! Des bandes réfléchissantes. Ainsi, la lumière qui arrive est réfléchie et permet au camion d'être bien visible durant la nuit. Les camions poubelles sont très sûrs. Oh, regardez, un kit absorbant, encore un élément de sécurité. Ce sac jaune contient le nécessaire pour absorber toutes sortes de substances visqueuses sur le sol. Toutes celles qu'on ne peut pas ramasser, balayer pour les mettre dans le camion poubelle. On se sert alors du kit absorbant. Oh, venez là derrière, j'ai un truc vraiment cool à vous montrer. Oh, wow, venez. Regardez. Et airbag! Regardez ça! Oh, wow! Vous avez vu ça? Le camion poubelle vient juste de s'abaisser grâce à ses airbags. Il utilise ses sacs d'air juste avant de décharger. Oh, et regardez! C'est comme ça qu'on jette les déchets recyclables hors du camion poubelle. Ça s'ouvre. Comme ça, grâce à ces cylindres hydrauliques, il pousse la porte arrière tout en haut pour déverser tous les déchets compressés à l'extérieur. Mais d'abord, il faut des choses dedans. Comment vont-elles rentrer? Ah, c'est cool ça! Laissez-moi vous montrer, venez! Hé, hey, venez là! Et regardez ça! C'est un bras articulé! Ça fait... C'est comme une pince! Il prend la boîte, la ramène, la monte en l'air et la jette dans le conteneur. Regardez, le conteneur là-haut. Et puis, elle est poussée vers le corps de compression juste là. Et ensuite, elle est compressée très serrée. Et enfin, elle est rejetée dehors par l'arrière, comme je le disais. Waouh, j'adore les camions poubelles.
Nous avons appris comment fonctionne le camion poubelle. Étudions à présent la différence entre les ordures et le recyclage. Les ordures, c'est tout ce qui n'a qu'un seul usage et qu'on jette, comme la litière du chat, les chewing-gums ou même les couches usagées. On ne les utilise qu'une seule fois et puis on les jette. Mais avec le recyclage, on peut utiliser les déchets plusieurs fois. Lorsqu'on peut les faire fondre ou juste reconditionner comme à l'original ou en quelque chose de similaire fabriqué à partir du même matériel, si c'est le cas, alors c'est recyclable. Laissez-moi vous montrer des choses que j'ai ramenées de chez moi pour les recycler. Oh, regardez, un bidon de lait. C'est du plastique. On peut recycler le plastique. Et une boîte de conserve. Oh, oh. Oh, une canette en aluminium. Oh, un sac plastique. Oh, un spray quelconque en plastique. Oh, une bouteille en verre. Et même un carton. Toutes ces choses sont recyclables. Maintenant qu'on sait la différence entre les ordures et les déchets recyclables, allons visiter une usine de recyclage et allons trier quelques déchets. Voilà l'usine de recyclage. D'abord, on doit mettre l'équipement de sécurité avant de pouvoir entrer. Ok. Et voilà. Veste fluo, casque fluo et lunettes de protection. Et les bretelles. Maintenant qu'on a tous les matériaux recyclables hors du camion, nous allons les trier. Ça va être fun! Tout ce qui va être recyclé monte sur le tapis roulant. Et après, il faut les trier car il y en a de toutes sortes. Du papier, du plastique, du carton, de l'aluminium, des boîtes. Il y en a tellement ici! Allons les trier! Oh! Les déchets recyclables descendent jusqu'à ce tapis roulant. Les employés les trient selon le type de matériau. Et quand ils arrivent, ils sont triés par catégorie, comme ces cartons. Ensuite, ils sont compressés et cerclés en balles, dans une grosse machine d'où ils ressortent. Puis, un transpalette arrive et récupère le paquet pour l'emmener ailleurs dans l'entrepôt. Et quand les paquets sont prêts à être transportés en vue du recyclage, un transpalette les charge à l'arrière d'un semi-remorque. C'était super méga fun de voir l'intérieur d'une usine de recyclage. Maintenant, je vais tourner le volume pour qu'on danse tout en chantant. Ma chanson camion poubelle. Camion poubelle, camion poubelle, traversant la ville, ramassant tous les déchets. Camion poubelle. Quelquefois quand je me réveille tôt le matin, j'entends un bruit de fenêtre, il y a un camion poubelle ramassant tous les déchets. Il vide la poubelle, la repose par terre et s'en va bruyamment. Camion poubelle, camion poubelle, traversant la ville, ramassant tous les déchets. Camion poubelle. Camion poubelle, ils
prend toutes les poubelles. Il les dépose à l'arrière pour qu'elles soient broyées et retourne à la décharge. Il recule vers un tas de débris loin de la ville et déverse tout son camion. Camion poubelle. Camion poubelle. Traversant la ville, ramassant tous les déchets. Camion poubelle. Certaines sont bleues, d'autres marron ou bien vertes. Et vous le savez bien, il y en a même qui ramassent le recyclage. Camion poubelle. Camion poubelle. Traversant la ville, ramassant tous les déchets. Camion poubelle. Traversant la ville, ramassant tous les déchets. Camion poubelle. Sorry Louise, cette vidéo était pleine de bonnes informations. Aujourd'hui, on a étudié les camions poubelles, les camions de recyclage et le recyclage. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est chercher mon nom. Vous connaissez mon nom? Oui, c'est Blippi. On l'épelle ensemble. B-L-I-P-P-I. Blippi, c'est mon nom. Bien joué. Bien, on se voit vite. Bye. Venez les amis, apprendre c'est génial. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant.